Bonsoir, bonjour, DMG TV. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je salue toute la communauté DMG TV. Partagez, likez, n'oubliez pas. Moi également, je fais des efforts chaque jour de partager sur ma page Facebook au moins à 30, 40 personnes. Alors, pour élargir la communauté. Voilà. Donc, je vais aller directement au but. J'ai deux histoires à narrer ce soir. La première histoire me concerne moi-même et la deuxième concerne ma mère. Voilà, donc je vais intituler mon histoire La curiosité. Voilà, vous allez comprendre à la fin pourquoi j'ai dit cela. Alors, pour commencer, je suis quelqu'un qui a aimé vraiment les films de science-fiction quand j'étais jeune. Seigneur des Anneaux, Harry Potter et toutes ces histoires que vous connaissez de science-fiction, les films en fait. Je suis en Afrique du Sud, actuellement là. Je viens du Congo-Brazzaville. Alors, mon histoire se passe en 2010 à Brazzaville, dans un quartier appelé Bakongo. Pour ceux qui connaissent le quartier, je précise parce que c'est un quartier qui se trouve non loin du fleuve Congo, le fleuve qui sépare les deux Congos, la RDC et le Congo-Brazzaville. Donc, je travaillais avec mon oncle qui avait son atelier dans ce même quartier-là à Bakongo. Alors, mon oncle travaillait avec ses enfants et moi j'étais le neveu. Alors moi aussi j'étais locataire, j'habitais le même quartier. Je vivais avec mon défunt frère qui vient de me quitter en 2020 et on était étudiants à l'époque. Voilà. Alors un jour nous étions à l'atelier, il y a un jeune homme qui s'est présenté avec nous. Je précise que la compagnie de mon oncle était une compagnie de baies vitrées. C'est-à-dire que nous posions des portes et fenêtres en aluminium et des vitres pour ceux qui connaissent le travail. Nous étions à l'atelier le matin, un jeune homme s'est présenté. Il avait l'air bizarre, ce jeune homme-là. Il avait l'air d'un fou, l'air d'un mécanicien, je ne sais pas comment le décrire. Il portait des babouches très sales, un pantalon très sale, une chemise très sale. Et quand il est venu, mes cousins semblaient le connaître. On connaît ce jeune homme ici-là, quand il est souvent en boîte là, il dépense beaucoup d'argent et tout. Je dis, mais un jeune homme qui est sale comme ça, il travaille, je ne sais même pas là où il travaille et tout, il a l'air d'un fou. Alors, il est venu proposer à mon oncle un travail à faire chez lui. Il avait une fenêtre qu'on devait poser les crochets. Mon oncle lui a fait un devis et il a payé. Et on lui a dit que non, on venait faire le travail l'après-midi. Voilà, donc c'est de cette mesure-là que l'après-midi vers 14h, moi, et mes deux cousins et mon oncle, nous nous sommes rendus chez le monsieur. Parce que le monsieur a expliqué là où il habitait, mes cousins se sont retrouvés parce que c'était dans le même quartier, à Brazzaville. En fait, lui, le monsieur, le jeune homme, il habitait un peu plus proche du fleuve, dans un quartier appelé Pissa, c'est Matour, pour les gens qui connaissent un peu le secteur. Hein, désolé, c'est une ancienne histoire. Alors, nous nous sommes rendus là-bas vers 14h. On arrive. La parcelle déjà était clôturée en tôle rouillée, il n'y avait même pas un portail et il y avait parfois il y avait une partie du mur qui était tombée et tout, en tôle. Pour ceux qui connaissent bien Bakongo, c'est un quartier colonial. C'est un quartier colonial qui date des maisons, sont des vieilles maisons et des familles, sont des familles qui ont duré là-bas, des grands-pères. Donc la parcelle n'était pas trop propre. Et dans la parcelle, il y avait deux maisons en briques cuites, des anciennes maisons aussi, des vieilles maisons en fait. Mais curieusement, au milieu de la parcelle se trouvait une petite maison d'une chambre-salon, très petite, très propre. La maison brillait dans cette parcelle-là. De loin, on pouvait constater que non, cette maison brille. Et bizarrement, c'était la maison du jeune homme-là. Il était là, il nous attendait. Nous sommes rentrés à quatre, moi, mon oncle et mes deux cousins. Nous sommes rentrés à quatre et arrivés là-bas, il nous montre sa maison. Bizarrement, je regarde à la véranda, il y avait deux poteaux. Et le premier poteau, il se trouvait une photo en forme de tableau. En forme de tableau d'une femme indienne. Je me suis dit, mais ce monsieur sale ici habite cette maison trop propre ici. Comment ça? Quand je regarde la photo, comme moi je suis un fanatique des films de science-fiction, comme je vous ai dit au départ,
Alors, c'est comme ça que je me dis, mais ces choses ici, là, on nous parle toujours dans les films. Aujourd'hui, là, je vais un peu regarder cette photo aussi, là, ce tableau-là. Ça a l'air un peu d'être comme une personne réelle. Donc, quand j'ai fixé la photo, le tableau-là, j'ai senti comme une énergie. Ce regard de la femme indienne dans le tableau-là, et mon regard s'est fixé, s'est croisé. Tu as l'impression que cette photo-là vit. C'est-à-dire que cette femme indienne qui est sur le tableau-là, elle est réelle. J'ai dit à mon cousin que non, 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 cette femme ici-là est réelle. C'est comme si c'est elle qui habite ici. Une sorte de mamie Ouata ou bien une sirène et tout ça. Mon cousin me dit, ah, toi tu crois trop au film. Celle-là, c'est juste un tableau et tout. Je vais encore au deuxième poteau, c'est le même tableau de la même femme. J'ai dit, non, cette femme ici habite ici, avec le monsieur. Alors, le monsieur dit, non, rentrez. Nous sommes rentrés au salon. Il avait un petit salon, juste un canapé et l'aquarium. Quand j'ai vu l'aquarium, je me suis rappelé encore les films des sirènes qu'on suivait là, quand on était enfant. Je lui dis non, c'est sûrement ici que cette dame-là, sirène-là, sort la nuit. Ça, je dis ça de mon cœur. Personne ne connaissait. Alors, la fenêtre se trouvait dans sa chambre. Il y avait des crochets à fixer. Mon cousin est sorti. Il est tourné du dehors. En fait, il est parti au dehors pour travailler au dehors. Nous, on était au salon. Il avait une petite chambre. Maintenant, nous sommes rentrés dans la chambre pour aider mon cousin de l'intérieur pour ouvrir maintenant la fenêtre. Alors, au côté de la fenêtre se trouvait une garde-robe en tissu. En fait, c'est ça. Garde-robe en tissu que les Chinois vendaient à l'époque pour les gens qui connaissent ça et tout ça. Maintenant, quand j'ai fixé dans la chambre, à son lit, au chevet de son lit, au mur, c'est là où je vois DMG, un gros tableau de cette dame-là, indienne. Gros tableau, gros format. Cette dame indienne-là. Mais elle n'avait pas de queue de poisson, c'était juste une dame maintenant. Non, dehors, il y avait seulement la tête. Mais à l'intérieur maintenant de la maison, au chevet du lit, elle était maintenant entière, une femme entière, avec la queue de Mami Ouattara. Ah! C'est là où j'ai dit, non, 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 cette femme ici, sûrement c'est elle qui habite ici. Une maison très propre, même pas un grain de sable par terre, carrelée bien là, peinture, tout ça. Mais le monsieur très sale. Alors, comme mon cousin fixait le crochet du dehors, il a dit, non, 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 déplace un peu le garde-robe là. Comme ça, je vais travailler et tout ça là, ça m'empêche. Le monsieur, le jeune homme de la maison était au salon. Le temps que je veux marcher pour déplacer le garde-robe en tissu, le monsieur saute de là où il est, DMG. Il vient me dire, non, 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 ne touche pas là-bas, ne touche pas là-bas. Moi, je veux faire ça. Il est venu, lui-même, il a déplacé le garde-robe. On a travaillé, on a fini. À la fin, il restait un petit truc à faire, un petit truc à faire qui n'a pas marché à cause des vis qui nous manquaient. Alors, nous sommes sortis de la maison, presque vers 16h. Il a dit à mon oncle, bon, comment vous allez faire pour le reste du travail? Mon oncle dit, non, 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 demain, je vais envoyer deux éléments qui viennent finir le travail. Mon oncle, c'est là où mon oncle m'indexe, DMG, il m'indexe, il indexe mon cousin. Alors, bizarrement, DMG, je vois le monsieur qui dit à mon oncle, non, 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 non. Faut pas envoyer le monsieur ici, là. C'est-à-dire que moi, il dit à mon oncle, non, et que mon oncle ne doit pas me renvoyer demain pour aller travailler là-bas. On voit seulement l'autre, c'est-à-dire mon cousin. Après, mon oncle rit seulement, mon oncle rit, puisque mon oncle, il était quelqu'un aussi des choses de famille, donc des coutumes et tout, donc il connaissait quelque chose dans ça. Alors, il a ri. Alors, après qu'il a ri, nous sommes sortis, on a pris un taxi. Après, lui me disait, mais toi, tu vas chercher des problèmes, hein? Toi, tu cherches des problèmes et tout. J'ai dit, ah non, quel problème? Oh non, toi, tu ne connais pas que non, le monsieur là, il a une femme là-bas et tout. J'ai dit, ah bon? Femme sirène, j'ai dit, ah bon? Ok. Bon, nous sommes allés à l'atelier et tout, 16h30, comme j'habitais le quartier aussi. Comme j'ai précisé au départ, j'habitais avec mon cousin, père son âme. C'est là où je suis rentré à la maison. Je suis rentré chez moi et arrivé chez moi, nous louons juste un petit studio. Donc on avait un matelas par terre. Alors, quand je reviens à la maison, je rentre vers 16h30.
Je laisse ma porte ouverte. Donc, dès que je suis rentré de la chambre, en fait, c'est juste un petit studio. J'avais le matelas par terre. Je me suis allongé. Je me suis assis. Je me suis assoupi. J'étais fatigué et tout ça là. Je n'ai pas fermé la porte. Donc, c'est comme si je dormais. Je me suis allongé un peu là. Allongé dos sur le matelas. C'est comme si tu es assis, après tu t'es assoupi. Donc, mon dos était sur le matelas. Je regardais le plafond. Mon visage regardait le plafond. Voilà. Donc, et quand je m'assoupis là, je commence à rêver. Il faisait 16h30, 40 comme ça là. On partait vers 17h. C'est là où je commence à rêver. Pas vraiment un rêve. Donc, c'était comme le rêve, comme une vision. Dès que je me suis endormi là, je me vois maintenant retourner dans ce rêve-là. Je retourne chez le monsieur là, le jeune homme là, là où nous sommes allés travailler. Je retourne là-bas dans le rêve. Quand j'arrive là-bas maintenant dans la parcelle, je vois cette dame indienne-là que je disais que non, celle-là est réelle, elle vit. Je l'ai vue d'MG dans le songe, dans le rêve-là, en train de préparer le foufou. Bon, le foufou chez nous, pour ceux qui connaissent, hein, c'est le bitume de manioc qu'on écrase et tout ça. Là, on prépare comme la tchéké, c'est pas comme le. Comment on appelle ça? Les choses qu'on appelle au Gabon. Alors, elle prépare le foufou. Après, je l'ai vu le rêve. J'ai dit, ah! Donc, toi, tu étais réel, alors tu voulais te cacher. Quand elle m'a vu, ça, c'est dans le rêve. Quand elle m'a vu, en plein 16h, hein, plein 16h, 17h, comme ça. Quand elle me voit, elle enlève la spatule. Elle me suit. Elle me poursuit. J'ai fui, j'ai couru d'MG. J'ai couru. J'ai couru, couru, couru. J'arrive quelque part, je me retrouve entre deux murs. Et devant, il y avait un portail en gris. Je suis bloqué. Merde! Je dis merde, je suis coincé. Je l'ai regardé en train de venir avec la spatule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai grimpé le mur. Là où se trouvait le portail en gris, là. J'ai grimpé, j'ai dit merde, viens! J'ai grimpé. Quand je grimpe, la dame vient m'attraper la cheville d'MG dans le rêve. Elle m'attrape la cheville dans le rêve. Ah, oh, elle m'a eu! J'ai dit, elle m'a eu! Merde! Alors, qu'est-ce que je fais? Je la tape un coup. Pas! Je la tape un coup dans le rêve. Quand je dame un coup dans le rêve, alors, c'est comme ça que dans la réalité, c'est-à-dire que dans ma chambre, dans la réalité, mon frère avait une copine, mon défunt frère qui est décédé, avec qui je vivais, avait une copine. Sa copine, maintenant, est venue chez nous. Elle est arrivée, elle a trouvé la porte plutôt, je voulais dire, la porte ouverte. Et c'est là où elle rentre dans la maison, puisque c'était un studio. Elle me trouve allongé contre le dos, c'est-à-dire que le dos sur le matelas. Et quand elle arrive, elle me regarde comme ça, c'est-à-dire que son visage et mon visage s'est rencontré, mais moi, en dormant, elle me bouge pour me réveiller. Et quand elle me bouge pour me réveiller dans le naturel, alors moi, dans le spirituel, je suis en train de taper un coup à cette sirène-là. Dans la réalité, le coup là est allé toucher la copine de mon frère. Elle est allée tomber contre le mur. Je me suis réveillé en sursaut. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois quelqu'un crier au coin du mur là-bas. Ah, tu m'as tué! Je dis, mais je t'ai tué comment? Elle me dit, mais tu m'as tapé un coup. J'ai dit, merde. J'ai dit, non. Mais moi, j'étais en train de rêver. J'étais en train de rêver, j'étais menacé. Donc, je voulais que je tape un coup à cette dame-là qui m'a attrapé la cheville. Mais comment toi, tu veux rêver quelqu'un quand tu me regardes comme ça face à face? C'est dangereux. Ah, pardon, pardon. Je lui ai dit, non, pardon, pardon, pardon. Sorry, sorry. Pardon, pardon. S'il te plaît. Elle a été. Si tu regardes la partie là où elle a reçu le coup là, mais c'est comme si le coup d'un esprit. Oh, quelle force! J'ai dit merde. Sorry, sorry, pardon, pardon, je lui ai demandé pardon là et tout. On a pris un peu de l'eau chaude, on a massé tout ça là. C'est pas assez. Alors, je me réveille, j'ai dit merde. Ça veut dire que le jeune homme là a une femme sirène. Une femme mamie Wata, comme on appelle chez nous ici. Donc, voilà un peu comment ma curiosité devait m'amener peut-être
Je peux dire à la mort, parce que si elle devait me tuer dans le rêve, j'allais mourir physiquement. Vous voyez? Donc, la morale de l'histoire est que quand nous partons quelque part, évitons trop de vérifier, de chercher à savoir ce qui se passe et tout ça. Parce que cette dame, Mami Ouattara, si elle était plus forte que moi, je peux dire, dans le songe là, elle devait peut-être me tuer, me brûler, me préparer, sa marmite qui préparait le foufou là. Après, j'allais mourir dans le physique. Mais, qu'à cela ne tienne, c'est toujours Dieu qui nous protège. C'est toujours Dieu qui nous protège. Alors, soyez prudents. Là, vous partez, les maisons des gens que vous rentrez, vraiment, quand vous sentez quelque chose, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à appeler le nom du Seigneur, invoquer le nom de Jésus, parce que la Bible aussi a déclaré que tout genou fléchira. Tout genou fléchira par le nom de Jésus. Donc, c'est le temps que quand vous sentez que ça ne marche pas, parce que j'écoute beaucoup les histoires ici des jeunes filles, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, qui même voient des signes, mais qui ignorent. Faites attention parce que nous sommes à un temps là où les choses, tout doit se dévoiler. Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Tout doit se dévoiler. Voilà, nous sommes au temps du Verseau. Alors, rien ne va se cacher. Soyez prudents dehors quand vous marchez, quand vous voyez des signes bizarres. Priez, 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 appelez de l'aide et tout ça là. Comme ça, les gens sauront, vous retrouvez là où vous êtes, ou bien Dieu saura vous sauver. Voilà. Donc, c'était ça ma première histoire. La curiosité est un mauvais défaut. Merci à DMG. Merci à toute la communauté. Partagez, likez. Je reviendrai encore pour l'histoire de ma mère, toujours dans ce même pays-là, le Congo-Brazzaville. Alors, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Bye. Ciao.